Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons traiter les exercices sur la machine de Turing. Donc, on va traiter la série numéro 3. Exercice 1. Concevoir une machine de Turing MTS2 qui permet de calculer la fonction S2 telle que S2 à X lui associe X plus 2. Donc, pour la solution, nous allons prendre des exemples et voir comment se comporte cette machine. Donc, là, on veut chercher x plus 2. Si je lui donne 0, elle est censée me renvoyer 2. Donc, à l'état initial, j'ai une barre devant moi. Et à l'état final, je dois retrouver 3 barres pour représenter le 2. Donc, si on prend un autre exemple, si on prend 1, on est censé avoir 3. Donc, 1 est représenté par 2 barres, donc Q0, 1, 1. Et à l'état final, je dois retrouver les 4 barres qui représentent le 3. Donc, si on fait de même pour un autre exemple, 2 lui associe 4 et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on a en entrée un nombre de barres données et en sortie, c'est le même nombre de barres auquel je rajoute 2 barres pour avoir x plus 2. Donc, la solution, donc, première solution, c'est, il faut rajouter 2 barres. On a une première possibilité, c'est d'aller à l'extrême gauche et rajouter 2 barres et s'arrêter. Donc, on va passer aux instructions de cette solution. Après, on verra une deuxième solution qui permet de faire le même travail autrement. Donc, voici notre machine de Turing avec l'ensemble des symboles, l'ensemble des états et l'ensemble d'instructions. Première instruction, toujours, on commence par Q0, 1. Donc, la première instruction Q0, 1, on doit aller à l'extrême gauche, donc gauche Q1. Q1, il est censé, donc cette instruction permet de se déplacer d'une case à gauche. Donc, Q1 va se retrouver en face d'un 0. Dans ce cas-là, comme il s'agit de rajouter 2 barres, donc Q1, 0, je dois le remplacer par un 1 et se mettre à l'état Q2. Donc, cette instruction me permet de remplacer le premier 0 à gauche par une barre. Ensuite, Q2 est en face d'un 1. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé encore se déplacer à gauche pour rencontrer un autre 0 et le remplacer par une barre. Donc, Q3, 0, 1, et là, on s'arrête parce qu'on est sur la première barre utile. Donc, on est à l'extrême gauche, on a placé une barre à la place du 0 et on s'arrête. Avec ça, j'obtiendrai le nombre de barres initiales auxquelles j'aurais rajouté 2 barres. Voilà. Donc, la deuxième solution, elle consiste à faire quoi? À aller à l'extrême droite et rajouter 2 barres. Et dans ce cas-là, comme on est à l'extrême droite, donc... on a laissé des barres derrière nous. Il faudrait, dans ce cas-là, revenir à gauche. Comme je vous ai déjà dit, il faut toujours que, à l'état final, on pointe sur la première barre, la première information utile qui se trouve à l'extrême gauche. Donc, il faut revenir à gauche sur la première barre. Donc, la solution. Aller à l'extrême droite signifie qu'on est censé écrire une boucle. Cette boucle, elle est de la forme Q0, 1, droite Q0. C'est-à-dire, je dois parcourir tous les 1 pour aller à la rencontre du premier 0 qui se trouve à droite. Donc, une fois que Q0 est en face d'un 0, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé remplacer ce 0 par un 1. Donc, il va le remplacer par un 1 et ensuite, il va se déplacer encore à droite. Il faudrait rajouter 2 barres. Donc, il faudrait se déplacer encore d'une case à droite. Et dans ce cas-là, Q2, il va être en face d'un 0. Il va le remplacer par un 1. Donc, il le remplace par un 1. Il se met à l'état Q3. Donc, Q3, 1. Dans ce cas-là, on a réalisé le traitement demandé. Il faudrait juste revenir à gauche et s'arrêter. Donc, Q3, 1, gauche Q3. Ça, c'est une boucle qui va nous mener vers l'extrême gauche. Et à un moment donné, Q3 va rencontrer le 0. Donc, il va rencontrer le 0. Une fois que c'est fait, il s'arrête. Il se met à droite. Il s'arrête sur l'état final. Voici la deuxième solution. Donc, dans la première, on a rajouté 2 barres à gauche du nombre X. Et dans la deuxième solution, on a rajouté 2 barres à droite du nombre X. Donc, c'est sûr que la solution la plus optimale, donc qui nécessite moins d'instructions, c'est la première solution. Mais il y a toujours d'autres solutions, donc c'est bon à savoir. Deuxième exercice, concevoir une machine de Turing MTZ qui
qui permet de calculer la fonction nulle z1 définie par z1 à x lui associe 0. Donc pour la solution, donc à 0 je lui associe 0, donc q0, 1, je dois retrouver qf1, à 1 je dois lui associer encore 0, donc q0, 1, 1, je dois retrouver à la fin qf1, et ainsi de suite, n'importe quel nombre, je dois retrouver comme résultat qf en face d'un 1. Il faut, donc dans ce cas-là, la démarche à suivre, c'est d'effacer toutes les barres et mettre 1 et s'arrêter. Donc, c'est ça la fonction nulle. Donc, elle va effacer toutes les barres du ruban et à la fin, on rajoute un 1 et on s'arrête. Donc, pour les instructions, pour la machine, vous avez le triplet, symbole, état et instruction. Première instruction, qu'est-ce qu'on est censé faire? Q0, 1, je commence directement par l'effacement. Donc, Q0, 1, 0, Q1. Ensuite, Q1, il est en face d'un 0. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé se déplacer à droite, mais pour aller où? Pour reprendre le traitement de l'effacement. Donc, il va boucler. Donc, il va mettre Q0, Q1, 0, droite, Q0. Donc, et Q0, il va reprendre. S'il est en face d'un 1, il va l'effacer. Il se met à l'état Q1, Q1, il se déplace à droite. Donc, ça, c'est une boucle qui permet de remplacer un 1 par 0 et se déplacer d'une case à droite jusqu'à rencontrer le premier 0 à droite. Donc, jusqu'à épuisement de toutes les barres. Qu'est-ce que ça veut dire? Épuisement de toutes les barres, ça veut dire qu'on a supprimé toutes les barres utiles, enfin, X. On a supprimé toutes les barres de X. Donc, à ce niveau-là, on doit se retrouver avec un ruban à blanc, c'est-à-dire il ne comporte aucune information utile. Et à ce niveau-là, il faudrait juste mettre Q0, 0. Donc, Q0, il va rencontrer obligatoirement un 0. Il va placer une barre et s'arrêter. Et avec ça, on aurait obtenu le résultat 0. Donc, le 1 représente le nombre entier 0. Et on s'arrête. Exercice 3. Donc, soit une machine de Turing MTSE-INST définie par... Donc, vous avez les symboles, les états, et on a donné l'ensemble des instructions qui est composé de 8 instructions. Première question, dérouler pour petit a, x égale à 0, petit b, x égale à 1. Donc, ici, c'est le nombre entier 0 et le nombre entier 1. Deuxième question, quelle est la fonction f calculée par cette machine? Donc, dans cet exercice, c'est la question inverse, si vous voulez. On vous donne une machine, on vous donne les instructions de la machine, la définition des instructions, des états, des symboles, et on vous demande de retrouver la fonction calculée par cette machine. Pour cela, on doit procéder par faire des déroulements. Ces déroulements vont nous indiquer ce que fait cette machine. Contrairement aux exercices précédents dans lesquels on vous demande la fonction et on vous donne la fonction et on vous demande de retrouver la machine qui permet de calculer cette fonction. Donc, avant de faire le déroulement, je reprends toutes les instructions de la machine de Turing à dérouler. Donc, ceci nous permettra de retrouver facilement les instructions en regardant la configuration actuelle du ruban. Donc là, il s'agit de dérouler cette machine pour la valeur x égale à 0. Donc, on représente cette valeur-là sur le ruban à l'aide de, bien sûr, des barres. Donc, je mets toujours l'état initial qui va pointer vers la première information utile. Ici, il s'agit de 0. 0 est représenté par une seule barre. Donc, voici la configuration du ruban Q0, 1. À partir de là, il faut chercher... en utilisant la paire de lecture qui est composée de l'état actuel et du symbole lu. Donc, la configuration ici, c'est Q0, 1. Q0, 1, je cherche dans toutes les instructions, l'instruction correspondante, donc qui commence par Q0, 1. C'est la première instruction. Donc, la première instruction, c'est Q0, 1, droite Q1. Ça permet de faire un déplacement à droite d'une case et se placer à l'état Q1. La nouvelle paire de lecture, c'est Q1, 0. À partir de Q1, 0, je cherche dans l'ensemble des instructions l'instruction qui commence par cette paire-là, qui est bien l'instruction 2. L'instruction 2, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que Q1, 0, gauche, QF, c'est-à-dire que je m'arrête. Je reviens, je me décale d'une case à gauche et je m'arrête.
Donc, ici, on s'arrête sur l'état final qui pointe vers 1, qui veut dire à 0, on associe 0. Deuxième exemple, c'est x égale à 1. Donc, la configuration du ruban, c'est Q0, 1, 1. À partir de là, toujours, je cherche avec la paire de lecture l'instruction correspondante. Q0, 1, c'est la première instruction. Donc, décalage à droite et se placer à l'état Q1. Maintenant, Q1, 1, je cherche dans l'ensemble des instructions l'instruction qui commence par Q1, 1. Q1, 1, c'est la troisième instruction qui nous dit qu'il faut aller à gauche et se placer à l'état Q2. Donc, on est à l'état Q2, on est à gauche et on est à l'état Q2. Maintenant, Q2 est devant 1. La nouvelle paire de lecture, c'est Q2, 1. Q2, 1, c'est la quatrième instruction qu'il faudra exécuter. La quatrième instruction, elle remplace le 1 par un 0 et se met à l'état Q3. Donc ici, la configuration actuelle du ruban, c'est Q3, 0, 1. Ensuite, Q3, 0, c'est la cinquième instruction. Donc, je vais me décaler à droite d'une case et se placer à l'état Q2. Donc, Q2, 1, 0, Q3. Donc ici, ça nous a renvoyé encore une fois vers la quatrième instruction. Ça nous fait penser à une boucle. À une boucle qui permet de faire quoi? D'effacer, de remplacer 1 par 0 et d'aller à droite. Remplacer 1 par 0, aller à droite. Ça, c'est une boucle. En fait, cette boucle permet d'effacer des 1 et se déplacer à droite. On verra ce que ça va donner sur cet exemple-là. Donc, Q de 1, c'est toujours la quatrième instruction. C'est Q3, et on est en face d'un 0. Donc, Q3, 0, on fait quoi? Droite Q2, encore une fois. Regardez, 4, 5, 4, 5. Ça veut dire qu'il y a une boucle ici composée de deux instructions qui sont la quatrième et la cinquième instruction. Q2, 0. Maintenant, Q2 n'est plus devant 1, c'est-à-dire il ne va plus boucler. Il va aller vers l'instruction 6. L'instruction 6 dit que Q2, 0, 1, Q4. Donc, Q4, 1, on fait quoi? On exécute la septième instruction qui dit qu'il faut aller à gauche et se placer à l'état Q5. Q5, 0, je fais quoi? J'exécute la huitième instruction et je me place à l'état final. Voilà. Donc, on s'arrête là sur un ruban comportant deux barres. Donc, au départ, on avait 0. On a retrouvé 0 comme résultat. Là, on a donné 1, on a retrouvé 1. On peut, par exemple, penser à la fonction identité. Mais ce n'est pas le cas. Parce que là, on a pris juste deux exemples. Si on prend, par exemple, x égale à 2 ou x égale à 3, là, le travail, on verra mieux ce que fait la boucle 4-5. Parce que 4-5 permet d'effacer toutes les barres de x et à la fin, rajouter deux barres. Donc, dans ce cas-là, à tout entier, différent de 0, elle lui associe 1. Et à 0, elle lui associe 0. Et ce résultat nous fait penser, bien sûr, à la fonction signe. Donc, la machine de Turing calculée par cette... La fonction calculée par cette machine de Turing est la fonction SG. Exercice 6. Concevoir une machine de Turing MT+, qui permet de calculer la fonction plus, qui est l'addition de deux nombres. Donc, à x, y, on leur associe leur somme. Dans cet exercice, il s'agit de calculer la fonction plus de x, y, donc qui donne la somme. Il s'agit ici d'une fonction binaire, donc on doit avoir les barres de x et les barres de y. Donc ici, on utilise le séparateur qui est l'étoile. Donc, avant d'écrire les instructions de cette machine-là, il est préférable de prendre quelques exemples pour voir à partir d'une configuration initiale qu'est-ce qu'on est censé obtenir avec cette machine-là. Ceci nous aidera à déduire l'algorithme qu'il faut suivre pour réaliser le traitement. Donc, si on prend le nombre entier 0 étoile 1, ce qui veut dire on veut faire la somme de 0 et 1, on doit obtenir 1. Donc, la configuration initiale étant Q0, 1 étoile 2 barres, on est censé obtenir QF avec deux barres à la fin, c'est-à-dire leur somme. Un autre exemple, si on prend 1, 2, on est censé obtenir 3. Donc, Q0, 2 barres, étoile, 3 barres, on obtient 4 barres. Donc,
Ce qui est sûr là, c'est que à l'état final, on ne retrouve plus l'étoile. Donc, on est obligé de remplacer cette étoile-là par une barre. Maintenant, si on remplace l'étoile par une barre, regardez dans les deux exemples précédents, si on remplace l'étoile, dans le premier exemple, on est censé avoir 4 barres, alors qu'à l'état final, on a obtenu 2 barres. Et dans le deuxième exemple, si on remplace l'étoile par une barre, on obtiendra 6 barres, alors qu'à l'état final, on a eu 4 barres. Donc, l'idée, c'est de remplacer l'étoile par une barre. Ensuite, il faut supprimer les barres en excès. Ici, il y en a 2. La première barre, elle vient du fait qu'on a remplacé l'étoile par une barre. Et la deuxième, ça vient du fait que la représentation elle-même, pour un entier donné, à chaque fois, on rajoute une barre. Donc, pour représenter 1, on a dû utiliser 2 barres. Et pour représenter 2, on a utilisé 3 barres. Mais pour le résultat, qui est un seul nombre, il ne faut garder qu'une seule barre en plus. Et c'est pour cette raison-là qu'il faudra supprimer 2 barres à partir de la configuration obtenue. Donc, l'idée, c'est de revenir à gauche et supprimer 2 barres et s'arrêter. Donc, maintenant, on va écrire les instructions qui nous permettent de faire ce traitement-là. Première instruction, c'est sûr que c'est une instruction de la forme Q01. Maintenant, on veut remplacer l'étoile par 1. On est censé parcourir toutes les barres du X. Et donc, ce traitement-là n'est rien d'autre qu'une boucle qui s'écrit de la forme Q01, droite Q0. Cette instruction permet de sauter toutes les barres de X jusqu'à rencontrer l'étoile. À la rencontre de l'étoile, Q0, étoile, 1, Q1. Donc, je remplace, je fais le traitement indiqué ci-dessus. Donc, je remplace l'étoile par un 1 et je me mets à l'état Q1. Ensuite, Q1, il est en face d'un 1, il est censé revenir à gauche, à l'extrême gauche. Et ça, on le fait à travers une boucle Q1, 1, gauche Q1, qui permet de revenir au début du ruban. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir supprimer les 2 barres en excès. Donc, Q1, 0, droite Q2. Donc là, on s'est positionné sur la première barre utile. Et à partir de là, on va faire l'effacement. Donc, Q2, 1, 0, Q3. Q3, 0, droite Q4. Donc, et là, on efface la deuxième barre, Q4, 1, 0, Q5. Là, il ne faut pas écrire une boucle parce qu'il s'agit d'effacer 2 barres uniquement et non pas un ensemble inconnu de barres. Donc, Q4, 1, 0, Q5, j'efface une barre et à ce niveau-là, donc la dernière instruction, ça sera Q5, 0, droite QF. Maintenant, pour s'assurer que notre solution est correcte, on pourra faire un déroulement. Donc, on peut dérouler cette machine, la machine qu'on vient d'écrire, pour 1 et 2. Donc là, je reprends toujours pour le déroulement, il faut toujours avoir les instructions devant les yeux. Donc, j'ai repris toutes mes instructions et je vais les exécuter suivant l'état du ruban. Donc, Q0, 1, étoile 2, ça se représente par Q0, 2 barres, étoile 3 barres. Donc, la première instruction à exécuter, ça doit être l'instruction Q01. Q01, droite Q0. Donc, je fais le parcours de toutes les barres. Donc, voici, bon, pour la représentation condensée, pour ne pas écrire toutes les barres, on peut utiliser la représentation en puissance. Là, c'est 1 à la puissance 2 représente le nombre de barres en puissance. Donc, ici, ça sera 1. L'instruction 1, étoile. Ça veut dire quoi, une étoile? Ça veut dire que je vais exécuter l'instruction 1 plusieurs fois. Donc, en exécutant l'instruction 1 plusieurs fois, qui est une boucle qui nous permet de se déplacer à droite de Q0, on va se retrouver avec Q0, avec l'état du ruban suivant. 1 à la puissance 2, Q0, étoile, 1 à la puissance 3. Dans ce cas-là, il faut chercher l'instruction qui commence par Q0 étoile. Quelle est cette instruction? C'est l'instruction 2. L'instruction 2, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de remplacer l'étoile par un 1 et se mettre à l'état Q1. Donc, en remplaçant l'étoile par 1, on aura ici un autre 1. Et par la suite, en le rajoutant au barres qui se trouvent là, on aura 4 au lieu d'avoir 3. 3 barres là, on aura 4 barres, donc on va représenter ça par 1 à la puissance 4, et on est à l'état Q1. Maintenant, Q1, 1, qu'est-ce qu'on fait?
C'est l'instruction 3 plusieurs fois qui permet de faire un déplacement à gauche. C'est une boucle de déplacement à gauche qui nous permet d'aller à l'extrême gauche jusqu'à ce que Q1 rencontre le 0. Maintenant, Q1, 0, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'instruction 4, Q1, 0, droite Q2. Donc, droite Q2, je me déplace d'une case à droite et je change mon état en état Q2. Maintenant, Q2, 1, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le 1 par 0. On se met à l'état Q3. Donc, l'instruction 5. L'instruction 5, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut remplacer une barre par 0 et se mettre à l'état Q3. Donc, j'avais ici 1 à la puissance 6, c'est-à-dire 6 barres. En remplaçant l'une des barres par un 0, le nombre de barres va diminuer d'une barre et ça sera 1 à la puissance 5, pour dire 5 barres. Il reste 5 barres. Maintenant, Q3, 0, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'instruction 6. Q3, 0, droite Q4. Droite Q4, c'est-à-dire je me déplace d'une case à droite. Je vais me retrouver à l'état Q4 avec 5 barres devant moi, 1 à la puissance 5. Ensuite, Q4, 1, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'instruction 7. Je remplace, là, c'est l'effacement de la deuxième barre. Q4, 1, 0, Q5, c'est-à-dire que là, je vais effacer une barre, il me restera 4, donc Q5, 0, 1 à la puissance 4. Ensuite, Q5, 0, droite QF. Q5, 0, droite QF, donc j'obtiens un QF en face de 1 à la puissance 4, qui est 4 barres, qui représente le nombre 3. Donc là, au départ, on avait donné le x égale à 1 et y égale à 2. Le résultat, c'est x plus y qui est égal à 3, qui est ici représenté par 1.